Yo tout le monde, c'est Snake. Aujourd'hui on se retrouve sur Lego Jurassic World pour le premier épisode du let's play que je vous ferai sur ce jeu. Je suis très content de vous retrouver sur ce magnifique jeu, hein, parce que moi j'adore vraiment les Lego. Alors allons voir ce qu'il y a derrière ces portes. C'est parti. Oh. Ah ok, on est dans un train. D'accord. Oh, regardez tous les petits Lego. Ils sont choux. Alors, on doit acheter. Ok. Nouvelle partie. Ok. Confirmer la sauvegarde, oui. Ok. Ah, c'est parti, on commence sur ce magnifique jeu. Oh, il y a des arbres qui bougent. L'autre, il mange la saucisse. Oh, encore, il y a un cochon. Mais je pense que c'est pas ça. C'est pas un dinosaure, un cochon. Hein, si je m'abuse. Oh. Une grosse caisse. Oh, il semble y avoir quelque chose dedans. Hop là. L'autre, il s'enfuit, il a tout ça. À pleine puissance. Ok. Ouf. Ok. Transfert de Raptor. Ok. Oh là 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 là. Il est dans sa boîte. Ok, alors nous on incarne ce personnage. Bonjour, c'est moi, Monsieur ADN. Je suis là pour vous aider. Ok. Désolé, hors de question d'aller à l'enclos des raptors tant qu'on n'aura pas déballé et monté le nouveau générateur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? Casser ça visiblement. Oh bah dis donc, le mec il a l'âme d'un constructeur, hein. C'est vrai, il construit vite. Alors, qu'est-ce que nous dit Monsieur ADN? Ok. Ok, j'ai compris. Donc, on va prendre ce gars-là. Là. Voilà. Donc, celui qui mange sa saucisse. B. Oh, charogne. Je me demande comment il n'est pas encore électrocuté, tout ça. Au fait, quoi qu'il arrive, ne touchez pas le bout des trucs avec votre langue. Oh, oh, oh. Aiguillon électrique à pleine puissance. Puis-je me rendre utile? Ok. Ce raptor ne bougera pas d'un poil tant que ça sera pas réparé. Ok. Alors, nouveau changement de personnage. Je crois que dans le jeu, il faut beaucoup changer de personnage entre les deux, en tout cas. Ok, donc là, on doit suivre des traces. Ça me fait penser au Lego où il y avait Chase McCain, là, où il était dans la police et tout. On va aussi suivre des traces comme ça. Ok, qu'est-ce qu'il nous découvre? Un truc qu'il faut construire. Ah ouais, on répare le rail. Enfin, un petit bout du rail. Salut. Quelque chose à péter là. Non, visiblement. Ah, là il y a un truc pour l'autre gaillard. Joey Brown. Visiblement. Ok. On allume une lumière. Pardon les gars, pardon. Les trucs qui étaient tout le monde avec son truc. Monsieur ADN à votre service. Ok. Ok. Donc on va reprendre quand même le petit Indiana Jones là. C'est un problème mon gars.
Non. Il faut trouver l'autre morceau du rail. Il doit pas être très loin. Pardon. C'est bien parce que les gens leur foncent dedans, ils s'en foutent complètement. Ah ouais, voilà, je vois. Non. Pas toi. Qu'est-ce qu'il avait dit? Faut viser sur cette petite cible, là, vous voyez. Ah bah voilà. Quand on connaît la technique, ça va tout de suite mieux. Ok. Oh. Le pire c'est qu'ils l'ont même pas endormi ou je sais pas quoi. Ils le laissent vivant dans la cage quoi. Après ils s'étonnent qu'il... On pousse. Regardez, on le voit juste dedans. Là. Équipe de chargement, éloignez-vous. L'échelle de la cage est bloquée. Quelqu'un peut aller taper le code de sécurité? Bah nous, on va aller taper le code de sécurité, visiblement. S'il y a que ça à faire. Ouais, j'ai rien compris à ce panneau. Ok, donc on va faire B. Y. X, Y, il me semble. C'est juste. Ok, alors là, je pense qu'il faut prendre lui parce qu'il a l'air d'avoir un panneau électrique. Ouais, j'avais raison. Ok, on lève la porte, et puis il reprend sa saucisse. Mais c'est magnifique. Oh non. Il va alerter. Il alerte le raptor encore avec sa saucisse. Là. Si vous voulez pas lâcher sa saucisse. Oh, là on change de décor. Qu'est-ce que c'est? Vélociraptor? Non, pas Vélociraptor. Ah, c'est un vélo. Excellent. Vélociraptor. D'accord. L'un des autres sites de fouilles a eu plus de chance. Ah, on est sur un site de fouilles. Oh là. Ok. Alors on change les deux personnages, on n'est plus du tout avec les deux autres là. Donc il faut retrouver quelque chose. J'ai un pressentiment. Il y a un raptor juste là-dessous. Un raptor. Je suis tellement près du but, je vais continuer de creuser quelques minutes. J'ai un petit conseil. Encore un tout petit peu. Ok. Tu veux pas me passer ta pelle, non? B. Ah, mais j'en avais une en fait. Oh! Ah, sérieux? C'était là? J'étais à deux doigts! Elle a volé la trouvaille de l'autre. C'était juste à côté, pourtant. Oui, la forme est bonne. Et je veux la moitié du mérite pour ce machin. En principe, il m'appartient. Grand saut, ok. Ah ouais, alors attends, faut changer, faut utiliser la petite dame. Ah, il paraît que c'est tiré des histoires de Jurassic World, enfin du Jurassic Park, etc. Mais alors moi, je vais pas spécialement regarder si ça a joué entre les histoires, mais je pense que oui. Ok. Donc on marche sur un squelette.
Ouf. Bah dis donc, elle a de la force, hein. Il faut pas l'énerver dans ces cas-là. Ok, une échelle avec des balais et des pelles. C'est bon à savoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je pense qu'on va y avoir trouvé encore les autres faciles. Ok. Où est-ce qu'on peut trouver ça? N'oublie pas, les professeurs Settler et Grant nous ont demandé de faire très attention. Est-ce que ça on peut casser? On fait une balayeuse. Ok. Est-ce que ça nous sert? Ça écrase nos collègues, ça va aller. Ah, je pense qu'il faut balayer ça. Ah, voilà. Oups, je vais écraser la. Ok. Bah, bien sûr. Ah, ça sent l'autre dinosaure. Alors, je pense qu'il faut de nouveau utiliser la petite dame. Oh. Voilà. Hop. Non. Ok. Et il faut de nouveau casser ça. Ah, comme ça on fait les échelles si jamais on doit remonter encore ici. Je vais quand même explorer. Ouais, rien à faire. Rien à faire. Est-ce qu'il faut détruire les toilettes? Non, ça m'étonnerait. Ça. Non. Ça. Ah. Non, je pense pas. Bon. Ah, il faut balayer. Ok, c'est à lui. Donc lui, on a monté la balayeuse. Va klaxonner. Là, il faut de nouveau balayer. Oh non. Bon, on va juste aller voir là-bas parce que. Salut. On défonce tout sur le passage. On est en mode au revoir, bonjour. Allez, cours. Ah, un château de ça, mais c'est magnifique, vraiment. Ah, peut-être la brouette. Non, toujours pas. Donc là, ils nous ont dit trouver un objet tranchant pour son espèce de câble, hein. Mais est-ce qu'on va le trouver? C'est la question. Ah, là il y a nouveau un truc. C'est collé ou quoi? Allez, bouge. Il va me falloir 65 millions d'années pour récupérer ce truc. Ça, je pense que c'est un château de sable. Mais bien sûr. T'as besoin d'un truc, mon gars? Il y a un truc en haut. Je sais pas. Ah. Un marteau du cœur.
Là, on est d'accord. Je vous promets de faire attention. Ok, on va s'éloigner un peu. Ma manette est trop bien. Ah, voilà. Encore pour ce troisième. Une griffe rétractile de 20 cm, coupante comme un rasoir sur le doigt du milieu. Ok, alors là, on peut aller... Ça, c'est le truc coupeau que l'autre, il voulait. On va y aller. Professeur Grant, bonjour. Professeur Sattler, on est prêt à réessayer. Je hais les ordinateurs. C'est réciproque. Ok, il faut couper ça. Enfin, faut couper le câble pour que ça tombe. On va y aller. On saute, on prend pas l'échelle. J'abandonne. Tenez, essayez. Faites attention, cette corde retient du... comment on dit déjà je l'ai sur le bout de la langue. Attendez, ça va me revenir. Hop, le pique comme un bourrin sur le bouton. Du matériel fragile, c'est ça. Ouf. Du matériel fragile. Désolé. Ouais, il nous dit que c'est du matériel fragile, mais comment maintenant. Ok, donc ça fait un escalier. Hop. J'ai trouvé un fémur de Compsognathus parfaitement conservé. C'est vrai. Ah bon. Ah non, c'est à moi. J'ai mangé des cuisses de poulet au déjeuner. La déception du mec. Le mec, il lui a pourri sa vie, quoi. Ok, donc on peut pas aller là-bas pour l'instant. Ok, j'ai compris ce qui n'allait pas avec ce truc. Il devrait y avoir deux roues, pas une, et un guidon. Ah ouais, c'est près de notre religion. Ok, donc ça sera pour utiliser la petite machine de la madame qui a plus de roues. Ah! Mais qu'est-ce qu'on est fort! Merci! Ouais, comme ça il arrêtera de pencher et de faire. Maintenant il faut trouver un guidon. Parce que c'est dans l'autre boîte par tout hasard. Ah, est-ce qu'on doit fouiller là-dedans? J'adore enseigner. Alors, on a le guidon de la madame. Ok. B. Excellent. Maintenant, ça ressemble à l'image du mode d'emploi. On envoie le radar dans le sol, les ossements nous répercutent plus mal. Vos programmes sont incroyables. Dans quelques années, on aura même besoin de projet. Où sera le plaisir alors? Wow, je sais pas du tout ce que c'est cette machine. Ça défonce tout aux alentours. Hein. Ouh. Cette chose là, c'est juste comme une grosse dinde. Ah, un hélico. Bonjour. Ah, mais ça, c'est le chef, là. C'est celui qui a le paquet d'emballage. Ok. Oh. Donc là, il faut prendre la madame pour faire les gros sauts. Ah ouais. C'est lui qui peut construire. Ah, c'est un trampoline, ok. Ok. On apprend des choses, visiblement. Bonjour. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Il y a besoin d'aller aux toilettes.
Ah non, c'est la fille. Non, c'est encore un autre. Ok. Et pour qui voilà. Vous prenez-vous? John Hammond, je possède une île, une sorte de réserve biologique. Une vraie réussite, j'ai dépensé sans compter. Nos attractions vont complètement affoler les enfants. Si je pouvais vous persuader de donner votre aval sur le parc, je terminerai dans les temps. De quel genre de parc s'agit-il? C'est pile dans vos cordes. Oh, alors vous deux, vous déférez les dinosaures. Eh bien... On essaie. Il faudra vous habituer au professeur Malcolm. Il souffre d'un déplorable excès de personnalité. Surtout pour un mathématicien. Chaoticien, c'est chaoticien en réalité. Ok. Prologue terminé, alors j'ai besoin de rouiller. Ok. Succès de rouiller, bienvenue à Jurassic Park. Ok. Alors, combien de pourcents a rempli? 51. C'est un tout petit peu plus que la moitié, mais c'est suffisant. Ah, c'est ce truc qu'on doit aller chercher là. Ok, nous devons rouiller elle aussi. Ah ouais, l'autre qui bouffe sa saucisse. Lui aussi. Il y a balayeuse ça va. On n'a pas déverrouillé. Ok, bah écoutez les amis, nous on va se laisser là pour ce premier épisode du Let's Play sur Lego Jurassic World. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, en tout cas, ce tout début d'histoire, ça m'a beaucoup plu à moi. Alors j'espère que ça va vous plaire. Mais on va se laisser là. Donc d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao. Bye-bye.